Je m'appelle Ondoa Bikili. Je suis née à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Mon grand-père m'a dit qu'il est né dans le raffia. Grâce au raffia, il a pu élever ses enfants, financer leurs études, payer les soins et épouser ses nombreuses épouses. Je me suis interrogée pourquoi nous, les Africains, sommes autant passionnés par cette plante sésame. Je me suis aussi demandé ce que ces peuples en retour donnent au raffia. J'ai décidé d'en savoir plus. Je me suis rendue à l'est du Cameroun, l'une des régions les plus forestières du pays, où la plante raffia a réussi à se frayer une place dans cette luxuriante végétation. De grands arbres, de grands mammifères et de grands cours d'eau. Lomier, abambant, mindourou, les hommes et les femmes portent une forte tradition basée sur la plante raffiale. Dans mon marécage là, ce n'est pas n'importe quel tronc que je dois vigner. Il y a des troncs, tu peux le voir costaud. Quand ce n'est pas à maturité, ne le prends pas. Quand c'est à maturité, tu distingues que c'est à maturité quand tu vois que le premier bambou est long. Bon, les derniers qui sont là, qui les suit et que c'est déjà costaud, qui les suit, sont déjà un peu courts. C'est là où tu distingues que c'est déjà à maturité. Une journée ou deux journées, je viens donc prendre la petite machette comme vous avez vu là. Je viens donc percer. Si je veux, le même jour, j'accroche. Si je veux, je mets l'écorce dans la marmite. Les premières gouttes qui tombent là, ça trouve déjà l'écorce pour fermenter ça. Deux ou trois jours, c'est déjà le vin. En visitant les familles, en parcourant les forêts, j'ai compris que le raffia n'est pas que raffia. Il est surtout la plante sésame. La plante pour tous, la plante à tous. Sans distinction de sexe, d'origine ou de religion, les habitants de l'Est Cameroun vivent du raffia dont ils tirent du vin, des balais, des nattes, des insectes comestibles, des toiles, des parures et accessoires divers, à condition d'être doté d'une certaine expertise. Tout un syndicat pour consolider et fructifier les revenus issus du commerce du vin de raffia. Un jour par semaine, les membres de l'association se réunissent et mutualisent leurs revenus. Comprendre la plante raffiale, je me suis rapproché d'une équipe de chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement et de l'Université de Yaoundé 1 qui mène des études sur le raffia au Cameroun et en Afrique centrale. Les raffia, c'est un palmier, il y a plusieurs formes. En Afrique, on peut en compter plus ou moins 20.
et chaque forme pousse dans des régions différentes. Malgré que le raffia est une ressource importante, incontestable, on connaît encore très mal les espèces de raffia. Les raffias sont de grandes plantes avec d'énormes feuilles. C'est d'ailleurs l'une des espèces qui a les feuilles les plus grandes dans le règne des plantes. Les espèces de raffia vont pousser dans différents milieux. Le milieu qui préfère le plus, c'est le milieu marécageux, là où il y a beaucoup d'eau. Mais il y a aussi beaucoup d'espèces qui s'intéressent ou qui aiment bien pousser dans les milieux où il n'y a pas d'eau, donc sur les milieux où c'est de la terre ferme, qui n'est jamais inondée. À cause de ce trou noir en termes de connaissances scientifiques sur le raffia, on a adopté un certain nombre d'axes de recherche. Le premier axe de recherche, c'est de comprendre les différentes formes de raffia qui existent en Afrique. Chaque forme est différente. Il y a des espèces qui n'ont pas de tronc, il y a des espèces qui ont des troncs, il y a des espèces qui ont des fleurs proches de la terre, il y a des espèces qui ont leurs fleurs très à plusieurs mètres de hauteur. Donc ça, c'est l'étude de la taxonomie des raffia, qui est très compliquée. Dans l'équipe de recherche, Suzanne est doctorante à l'université de Yaoundé 1. Elle parcourt chaque jour les forêts pour collecter les données. Suzanne, comme moi, est née en ville. Elle se fait aider par les gens du village. Ils sont porteurs d'une bibliothèque ancestrale. Ici, à Lomier, il y a raffia et raffia. Une diversité que tentent de comprendre les chercheurs. Ils vont alors mettre sur pied deux procédés, la taxonomie classique et l'analyse génétique. La différence qu'on distingue, que ça c'est ici, ça c'est autour, c'est à travers ces ficelles-ci. Hein? Donc vous voyez, ça là, ce n'est pas méchant. Oui. Bon, quand tu n'as pas l'échelle, c'est solide, tu peux les arrêter, tu grimpes. Bon, maintenant, ça c'est essier. Essier, ça, les fils. Bon, c'est ci. Ça, les petits bambous comme. Et les épines. Tu vois? Okay. C'est ça qui se voit même là. Déjà, l'inflorescence, tout ça c'est l'inflorescence. C'est encore très jeune. Et ça a plusieurs parties. Quand il coupe là, déjà du haut, voilà la partie qui est sortie. On appelle le profil. Le profil, c'est la première feuille qui recouvre toute l'inflorescence. Maintenant, ça, c'est l'inflorescence partielle. En anglais, on dit partial inflorescence. Et c'est d'ici on va voir les fleurs mâles et les fleurs et les femelles. Les femelles se retrouvent le plus souvent en bas. Ça, c'est les. En anglais, on dit raquillées. Les fleurs femelles se trouvent sur les raquillées en bas. Et les mâles sont au bout des raquillées. Comme ça. On coupe, on mesure, on sèche. On prélève des feuilles, des fleurs, des inflorescences. On constitue un herbier. La suite se passe dans les laboratoires. La collecte des échantillons est loin d'être une partie du plaisir. La plante raffiale peut se nicher où elle veut. Il vous revient de faire preuve de persévérance. Pour cette aventure, Thomas a été rejoint par Raoul Nyangadouma de l'Herbier National du Gabon.
Le raffia sert beaucoup de choses. Ça fabrique la natte pour mettre en haut sur la maison. Nous faisons les maisons avec la natte du raffia. En bâtissant ici en bas, tu mets le pot-pot. Avant de mettre ça, tu vois d'abord tisser les machins qu'on bâtit avec, avec les bambous toujours. Ce matin, j'ai décidé de suivre un groupe de femmes. Elles se rendent à la rivière pour la pêche. Un groupe tout particulier, car composé de Bantous et de Pygmées Baka. Quelle cohabitation! Quand nous quittons le village, on entre en brousse. Arrivons au marécage, nous trions les bambous, il faut trier. Tu cherches les jeunes, c'est ça que tu fais la nasse avec. Ici, pas besoin d'acheter des filets coûteux dans les grandes surfaces à Yaoundé ou à Douala. Pour pêcher, il faut une nasse. Elles savent bien le faire et avec manière. Ici, l'expertise n'est pas simple. À la dextérité, il faut compter sur ses capacités géométriques pour produire la nasse. Œuvre utilitaire, certes. Œuvre d'art, assurément. À Douala, au salon des produits forestiers non lignés. L'équipe de recherche y est invitée. Suzanne en profite pour s'enquérir de la situation du raffia. Ce qui est du cas du raffia, là au Cameroun, le raffia n'est pas encore recensé, reconnu officiellement comme produit forestier non ligneux. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, le MINFOF n'a pas encore eu connaissance, la maîtrise de l'étude de cette filière-là. Parce que je pars en brousse, je coupe l'intérieur du raffia qui est encore jaune. Et quand je tire ça, j'obtiens ce raffia. Intrigué par cette méconnaissance de la part des pouvoirs publics, les chercheurs repartent sur le terrain pour des enquêtes socio-économiques. Retour à Lomié, un campement Baka. Le deuxième axe de recherche s'intéresse à comprendre l'impact social et aussi économique de l'exploitation du raffia par les populations locales. Qu'est-ce qu'ils exploitent ? Qu'est-ce qu'ils revendent ? L'équipe de chercheurs visite les familles Baka. Ce peuple autochtone, chasseur-cueilleur qui sait mieux que quiconque sonder les forêts pour en extraire des ressources vitales. Et le raffia, qu'en savent-ils ? Qu'obtiennent-ils de son exploitation ? Ça se passe, on commence d'abord à battre ça. Puis on découvre ça, on fait ça avec la machette. On prend aussi les écailles comme ça là, on met. On peut prendre les écorces en brousse, vu que ça doit rester fort. Oui. On met aussi ça. Après les Baka, leurs voisins Bantous. Donc tu prends 2 jours pour tisser. Oui, effectivement. Commencer et finir une natte. Est-ce que tu vends ça comme ça tous les jours pendant les 3 mois là? C'est pas en commande.
ce sont comment? Les plantaires qui passent. Ça là, quelqu'un qui est rapide, depuis qu'on est quitté pour le dort, il a déjà fini. Donc on compte combien de minutes? Là où... Même les 5 minutes, 10 minutes, c'est déjà fini. Oui, quand tout est prêt. Les rafias représentent un groupe très important de plantes, de palmiers, pour les populations locales ici en Afrique, car c'est des espèces qui sont extrêmement polyvalentes. C'est-à-dire qu'on peut utiliser beaucoup de parties de cette plante. Par exemple, on en tire le fos, le vert blanc de rafia. On en tire aussi le vin de rafia que les populations locales consomment, que ce soit de manière quotidienne ou alors dans des cérémonies traditionnelles. On utilise aussi des feuilles pour construire les toitures, pour en faire des meubles et aussi pour faire des paniers, voire des balais pour nettoyer les maisons. De feuilles de la nappe, les bambous. Et puis, voici le paquet de la nappe. Laboratoire de botanique systématique et d'écologie de l'école normale de l'université de Yaoundé 1. Les échantillons collectés sur le terrain sont déballés et analysés. Vouloir nommer, reconnaître et classifier les espèces et les essences qui nous entourent, tel est le besoin universel que l'on peut retrouver dans toutes les cultures du monde. Cette démarche, les scientifiques l'appellent taxonomie. Pour ce qui est du rafia, malgré leur importance vitale au sein de nos sociétés, ils restent mal connus. Quel paradoxe! Nommer, identifier et classer toutes les espèces du rafia demeure un exercice très compliqué. Un échantillon de feuilles séchées est conditionné et ramené au laboratoire de l'IRD basé à Montpellier. Les spécimens sont broyés, mélangés avec des solutions et des tampons. En pipette, en transfert. Au final, on extrait l'ADN. Cette molécule microscopique qui contient l'information génétique du vivant. Cette information est ensuite analysée, décryptée, mesurée afin d'en tirer des informations sur la différence des espèces. Grâce aux données obtenues sur le terrain et ceux du laboratoire, les chercheurs arrivent à mieux comprendre et identifier les différentes espèces que constituent les rafias. Et les polymorphismes réels qui existent entre le rafia et le calamus.
région d'Oku est surtout connue pour son précieux miel, le miel blanc d'Oku, un produit d'origine contrôlée. L'exploitation à Oku s'effectue à partir de la ruche. Ruche, elle aussi, fabriquée à partir des matériaux de raffia. Raffia is a completely important ingredient in our lifestyle. Raffia constitutes our livelihood in that when we want to appease the gods of the land, we use raffia. When we go out to our in-laws, we take along raffia. And when we receive visitors, we entertain them with raffia. Bambou, je fabrique des tables, des salles à manger, des plafonds, des armoires, des classeurs, des tabourets, des porte-clés. Anything you bring to me as design with bamboo, and I've been fighting the issue of bamboo to know to everyone that bamboo is the best design material that we can use it. So that's how my name became Bamboo Man, as you can even see today, or Bamboo Art. I get the bamboo before from my other parents that I used to go and beg, but today I buy them. One bamboo today will cost me 100 francs today, in which around the 80s, 1988-89, I was buying a bamboo for 10 francs. There is something about bamboo that I don't know how to explain to people, but I would neither present it to people. Notre étude sur le terrain nous a permis de constater qu'au fait, au niveau du pays, les différentes espèces ne paraissent pas si menacées que ça. Par contre, quand on affecte juste une rafiale, c'est-à-dire une région où il y a une population de rafiales, ça peut avoir des effets néfastes au sein des villages. Si on décide dans un village de couper une rafiale, d'assécher le marécage et d'y planter des tomates, ceci pourrait avoir des conséquences très négatives au sein du village. Par exemple, peut diminuer des ressources économiques, par exemple la suppression de l'extraction du vin de rafia, la suppression de l'exploitation du ver blanc de rafia. Mais ça peut aussi avoir des conséquences écologiques, où lorsqu'on assèche un marécage, on va tout de suite affecter l'équilibre hydrologique, c'est-à-dire l'équilibre en eau qui se trouve autour de ce village. Donc il n'y aura plus d'accoulement de l'eau, l'eau ne sera plus filtrée, et donc ça augmente aussi les niveaux de pollution. Pour moi, dans l'avenir, si on ne fait pas attention, le raffia va disparaître parce que les gens détruisent pour faire les marchés, des cultures de tomates comme ça. Le raffia là, hein, ça ne peut pas finir. Vu que nous-mêmes, on fait les réserves de telle manière que quand c'est à maturité, on laisse que ça produise les fleurs pour enfin que les noix sortent. On les laisse, ça tombe et ça donne des centaines de fruits. We have more raffia bushes now than we had in the past.
because we know that raffia, other than that, with the multiplicity of uses that that are inherent in raffia, a raffia can only increase. It will not kind of decrease or deteriorate. Une population de raffia peut donner à la fois du vin de raffia, mais aussi des fosses, par exemple, des vers blancs de raffia. Donc au lieu d'abattre tout un arbre pour en extraire quelques vers blancs de raffia, on pourrait d'abord en extraire le vin de raffia, et après peut-être l'abattre et utiliser les fibres pour faire les maisons, les feuilles pour faire les toitures. Au départ, je me suis demandé si nous, les Africains, nous n'étions pas ingrats à l'égard du raffia. En fait, je me suis trompée. Je le confesse, les Africains ont tant aimé le raffia qu'ils lui ont confié leur dieu. Depuis lors, ils l'adorent à travers libation, danse, son et musique.